Et y'a tout le monde, c'est Delta Dragon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, on va parler d'une team évaporation à base de Yelan, Xingqiu, Xiangling et Bennett. Alors, Xiangling, c'est la seule perso 5 étoiles de l'équipe. Elle peut très bien être changée, mais vous allez appliquer beaucoup l'hydro avec cette team-là. Donc, je vais vous montrer les builds. Pour ma Yelan, c'est. Alors, ouvre les persos s'il te plaît. Pour ma Yelan, elle a 1740 d'attaque, 84 de maîtrise élémentaire. Elle a 82, 177 de taux crit dégâts crit. Elle a 131 de recharge. En arme, elle a la pulsation du tonnerre pour augmenter au maximum le dégâts crit. J'ai essayé de lui mettre une dernière corde, cependant, ça lui fait perdre quand même 66% de dégâts crit. Et du coup, les coups sont moins puissants. Donc, du coup, j'ai préféré pas la mettre. J'aurais pu tester avec une autre arme, comme l'aile de la voûte d'azur. Mais j'ai pas trop de stuff, malheureusement. Donc, en artefact, elle est en full emblème du destin brisé. Comme je dis, elle a pas beaucoup d'artefacts parce que. Comme vous allez le voir, regardez. Mes 7 emblèmes sont sur tous mes persos. Mais alors, quand je dis tout, c'est quasiment tous les fleurs et tout sont occupés par des persos. Voilà. L'aérien. Et alors, les casques, ceux que j'ai sont déjà équipés. Donc, faudrait peut-être que je mette ça, tiens. C'est possible. Faudrait que je teste, tiens. Je pense que ça peut être bien. Après, elle a combien de PV là? 38 000, elle a pas mal niveau PV. Donc, elle a un set full emblème pour avoir plus de dégâts sur sa spé. En constellation, elle est C0, en aptitude, elle est 1-9-9. Pour ce qui est de Xingqiu, il est à 1723 d'attaque, 44 de maîtrise élémentaire. Il a 64, 116 d'autocrit dégâts crit, il a 183 de recharge. En arme, il a l'épée rituelle pour faire une double compétence et recharger plus vite sa spé. En artefact, il est en 2 anciens rituels royaux de âme des profondeurs. Je pense qu'à l'avenir, je vais lui mettre le 4 pièces de emblème destin brisé, quand j'aurai de quoi. Constellation, il est C6. Et aptitude, il est 1, 12, 13. Parce que bon, étant donné que notre Xingqiu, nous avons beaucoup de recharge d'énergie sur lui, le fait d'avoir le full emblème du destin brisé peut être une bonne solution. Donc lui, je l'ai bien investi. Elle s'est bien investie aussi. Elle a 1500 d'attaque, elle a 238 de maîtrise élémentaire. Elle a 77, 169 en taux crit dégâts crit. Elle a 203 de recharge. Vous pouvez mettre le Sion de la Victoire, mais vous allez voir qu'on peut aussi mettre cette arme-là. Alors, elle va perdre un peu de merde. Elle va perdre un peu de taux crit en mettant ça. Elle va passer à 68, mais ce sera limite mieux puisqu'elle aura plus de maîtrise. Comme vous pouvez le voir, elle passe à. Allô? Ah non, j'ai pas trois éléments différents. Ok, donc autant pour moi, j'ai rien dit. Il faut avoir trois éléments différents. Donc ça veut dire qu'il faudrait changer votre perso pour avoir trois persos différents. Vous pouvez changer votre Yelan pour un shield, pour un anémo. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez jouer cette lance. Donc hop. En constellation, elle est C6. En aptitude, elle est 4, 10, 13. Et le Bennett, il a 40 000 HP. Comment ça, il a 40 000 HP? Je vais changer quelque chose sur lui. Il a 40 000 HP, il a 1500 d'attaque, il a 21,83 de taux crit dégâts crit, 238 de recharge. En arme, il a la lame de la voûte d'azur. En artefact, il est équipé d'un full noble, enfin full ancien rituel royal. Constellation 6. Aptitude, il est 1, 6, 13. Alors, le fait de l'avoir C6, je sais plus lui, il met pas les arcs, hein, on est d'accord. Hein, la C6, je viens d'avoir un doute. Non, c'est pas les arcs, ok, donc c'est que les lances et compagnie. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi je fais. Vous pouvez tirer vite grâce à Yelan, parce que Yelan a quand même un bon combo. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous venez, vous mettez l'aspect de Bennett, vous mettez l'aspect de Xiangling, l'aspect de votre perso, vous mettez l'aspect de notre petit monsieur, et là, vous tapez, voilà, vous tapez en full pyro. Et voilà, on a fait fondre la vie assez rapidement. Bon, le seul problème de cette team, c'est la recharge d'énergie, comme d'habitude. Alors, bien sûr, si vous faites des rotations, la recharge d'énergie, ce sera clairement pas un problème. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez bien taper, hop, merde, bah, je voulais montrer autre chose, mais tant pis. Si vous faites le truc juste après et là hop vous tapez un petit peu. Mais dans ce cas là il faut monter les attaques normales de votre Xiangling. Par contre comme vous voyez on applique énormément le pyro et l'hydro grâce à cette team. Et du coup l'évaporation se fait ultra bien. Bon bah, c'est contre l'algorithme aussi. Je vous ferai un test aussi avec cette team là mais en version 3 persos différents. Donc il n'y aura pas Yelan, il y aura Xingqiu. Sûrement un Keya je pense. Alors
ce qu'on peut faire. On peut faire ça. Mais merde. Je mets jamais Shinkyu ici, donc du coup, c'est ça qui est chiant. Alors, regardez la vie de, du boss, comment elles font. Voilà. Normalement, on finit le boss avant même que l'aspect de Bennett s'en aille. Franchement, cette team, c'est... Il y a quasiment que du free-to-play. Vous enlevez, s'il faut, vous enlevez votre... Vous enlevez Yelan, vous mettez une sucrose à la place. Si vraiment vous n'avez pas Yelan. Après, qu'est-ce qui peut faire substitut à Yelan? On va regarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était en hydro. En hydro, en 4 étoiles, vous avez malheureusement pas grand-chose. Alors, les 4 étoiles hydro, ils se battent sur le jeu. Vous avez Barbara. Qui... pas très bon en applicateur hydro. Kandei, c'est pareil. Si vous avez eu la chance d'avoir Mona, qui est... Alors, je vais dire c'est un perso free-to-play, parce qu'on peut l'avoir de façon free-to-play largement. Si vous l'avez, ça peut jouer. Mais vous n'allez pas appliquer autant d'hydro qu'une Yelan. Par contre, ça se joue. Tartaglia, c'est compliqué. Après, vous pouvez. C'est un applicateur hydro, mais dans ce cas-là, c'est lui que vous allez utiliser en tant que principal DPS. Kokomi, ça peut, avec sa méduse. Ayato, ça peut. Yelan, ça peut. Nilou, c'est un peu chaud de la jouer. Neuvillette, c'est compliqué, ou alors faut le jouer en DPS. Mais bon, avec son kit, vous risquez de perdre un peu de dégâts. Et Furina, c'est jouable. Donc en fait, vous avez n'importe quel hydro que vous pouvez remplacer à la place de Yelan. Sauf, sauf Candace et Nilou, on va dire. Candace et Nilou, parce que Neuvillette, ça peut. Vous avez perdu du DPS sur Neuvillette, mais ça peut. Donc ces deux-là, non. Mais tout le reste, c'est possible. Barbara, il va falloir jouer un peu plus... Après, vous pouvez, avec Barbara, faire une Barbara DPS. Et en termes de pyro, par contre, vous gardez le saint Xiangling Bennett. Et ça passera tout seul. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder dans la description les playlists que je peux vous proposer avec les teams, les showcases, etc. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Sur ce, ciao.